Und jetzt gehen wir weiter mit Pink Cross und Alicia Pachel. Sie sind auch Sponsoren, ein Dachverband für alle Schwulen. Und sie wendet sich jetzt zu euch und zeigt noch etwas Kurzes. Alicia Pachel, bitte Applaus. Merci. Für einmal und um einen Mangel in der Vielfalt zu vermeiden, werde ich dieses Jahr prinzipiell mich auf Französisch ausdrücken. Ich entschuldige mich im Voraus. Manchmal ist es nicht angenehm, zur Mehrheit zu gehören. Aber aus eigener Erfahrung wisst ihr es seit langem. Ah, man sagt mir im Ohr, dass ich auch nicht zu der Mehrheit der Bevölkerung angehören. Aha, ich trinke keinen russischen Wodka mehr. Eigenartig! Seid ihr bereit für eine starke, engagierte politische Rede? Nein, sicher nicht. Es ist jetzt zu warm. Und wahrscheinlich später noch mehr, insbesondere unter der Gürtellinie. Donc, ami Roman, êtes-vous prêt pour un discours politique fort et engagé? Non, non, certainement pas plus que nos compatriotes alémaniques. Il fait beaucoup trop chaud encore, et d'ici peu, vraisemblablement, particulièrement au-dessous de la ceinture. Et pourtant, des points chauds, il y en a partout. Non, non, rassurez-vous, cette fois-ci, je quitte le champ du corps humain. I had a dream, a wonderful but totally crazy dream. Un rêve fou et atypique, oui, vous pouvez rire. J'ai rêvé de la votation fédérale du 22 septembre. Et j'ai rêvé que par-delà les frontières linguistiques, d'identité de genre ou d'orientation sexuelle, la loi sur les épidémies était acceptée. Et dans mon rêve, ça n'était possible que parce que les lesbiennes, les trans, les bi et les gays s'étaient tous et toutes déplacés pour aller voter oui. Oui à une loi qui pérennise les checkpoints. Oui au dépistage des infections sexuellement transmissibles. Et oui à la prévention, aussi dans les écoles. Oui à une loi qui ne forcera personne à se faire vacciner contre son gré, argument principal de nos opposants. I've had another dream. Un rêve tout aussi fou et délirant que le premier. Que le peuple suisse se réveillait de sa torpeur. Qu'il comprenait enfin qu'avoir une orientation sexuelle ou une identité de genre différente de la norme est une chance pour tous. Être humain comme entreprise. Que de la diversité que nous sommes peut émerger une société meilleure. Où le sexisme, père de l'intolérance faite aux femmes, aux gays, aux lesbiennes, aux bi et aux trans, mais aussi faites aux étrangers, appartiennent enfin au passé. Ce même sexisme qui, par réaction, enferme les hommes dans des comportements stéréotypés totalement dépassés. Le 1er août 2007, la conseillère fédérale Micheline Calmiret, sur un lieu hautement symbolique, la prairie du Grutli, nous disait « Je suis reconnaissante d'être suisse. Je suis fière de pouvoir m'engager dans un pays où nul groupe particulier ne domine les autres, où les minorités sont respectées, où des êtres humains de cultures et de langues différentes ont édifié un État qui fonctionne, un État qui protège ses habitants et qui leur donne une patrie. » So, I made a last dream. Un rêve où je pouvais enfin me retrouver dans ces paroles. Enfin vivre dans une société plus juste, où chacun trouvait non seulement une place, mais aussi un accès réel à la justice.
où le mot égalité avait un sens, où chacun pouvait exprimer ses talents, sa personnalité pour le bien de tous, au lieu de courber l'échine face à la pression sociale et se forcer à être discret lorsqu'il quitterait son ghetto. Un pays qui cesserait de mélanger l'Église et l'État, le droit et la morale, issus de la religion chrétienne, et abandonnerait sa pratique de l'apartheid entre homo et hétéro. Toujours dans ce même discours du 1er août, Madame Calmiret nous disait « Nous avons une constitution, nous avons des lois, et elles s'appliquent à tous les habitants de ce pays. Nous n'avons pas besoin de règles d'exception. » In derselben Rede vom 1. August 2007 sagte uns Bundesrätin Calmiret, wir haben eine Verfassung, wir haben Gesetze, die für die ganze Bevölkerung dieses Landes gültig sind. Wir brauchen keine Sonderregeln. Heterozentrismus oder nur kurzes Gedächtnis? Nur 7 Monate nach dem Inkrafttreten der Partnerschaftsgesetz. Vision hétérocentrée du monde ou juste mémoire courte? Seulement 7 mois après l'entrée en vigueur de la loi spéciale sur le partenariat enregistré. Voilà encore, aujourd'hui, en 2013, le vrai visage du pays dans lequel nous vivons. So ist noch heute das wahre Gesicht unseres Landes.